Il est temps que la jeunesse prenne ses responsabilités et fasse sienne les principes de la démocratie. C'est du moins l'essentiel du message qui a été livré tout récemment aux étudiants de l'Université de Lomé. Face à ces jeunes, deux consultants médias et membres d'organisations de défense et de promotion des droits de l'homme qui ont voulu, à travers une conférence débat, éclairer ces futurs cadres sur les réalités politiques actuelles. La démocratie est un droit pour les Africains. En même temps, nos chefs d'État ont pour seul souci de tout mettre en œuvre pour conserver les pouvoirs et pour se faire passer, excusez-moi, pour des hommes providentiels. En réalité, il y a des missions précises à faire dans des périodes précises. Il y a la relève à préparer et le mérite consiste à bien préparer ces relèves-là. Tant que les Africains vont penser à leurs privilèges personnels, je pense que nous allons dire loin, loin, loin la démocratie. C'est suffisamment inquiétant et cela doit nous interpeller. Bon nombre d'États africains ont ratifié des protocoles et conventions relatifs à la bonne gouvernance, à la démocratie et même au respect scrupuleux des textes constitutionnels. Mais force est de constater que leur mise en application pose toujours problème. Quoi qu'il en soit, chacun devrait assumer ses responsabilités. L'Afrique de l'Ouest a un protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie. Le Togo lui-même a une constitution qui, si elle était au moins appliquée effectivement, mais aurait permis à notre pays de vivre un État démocratique. Donc ça, c'est la responsabilité de l'État. Mais les citoyens que nous sommes ont aussi, à mon avis, une lourde responsabilité. Nous n'avons pas une culture citoyenne dans nos pays. Il suffit que quelqu'un vous donne 1000 francs, 2000 pour que vous vous sentiez obligé de laisser vos convictions pour aller faire une marche. On doit sensibiliser nos concitoyens et interpeller la jeunesse pour que la culture démocratique soit effective, que les gens comprennent qu'un État ne peut rien faire si les citoyens eux-mêmes ne sont pas éclairés. Les organisateurs de cette rencontre espèrent que désormais ces étudiants seront à même de mener des réflexions et partager avec leurs proches toutes les notions de démocratie qu'ils auront assimilées.